Bonjour à tous. Voici votre capsule Info Williams pour la semaine du 6 février. Le Club Écho t'invite à une représentation spéciale du Ciné-Club cette semaine. Pour célébrer le mois de l'histoire des Noirs, on t'invite à venir voir la suite de La Panthère Noire, Longue vie au Wakanda. À la suite de la mort du roi T'Challa, la reine Ramonda, Shuri et les Dora Milaje se battent pour la survie du Wakanda. Avec des profits de 330 millions de dollars au box-office, c'est un film qui marquera la culture du cinéma. C'est donc à ne pas manquer, dès mardi midi, au local 233. Apporte ton lunch! Cette semaine, c'est la dernière chance pour commander des fleurs ou des chocolats en prévision de la Saint-Valentin. Tu peux passer au local des loisirs ou au kiosque qui aura lieu sur l'heure du dîner ce mercredi 8 février. Les fleurs sont en vente au coût de 2 $ et les chocolats à 3 $ l'emballage de 3 chocolats. Ce mercredi, c'est aussi le retour des dîners du PIE au menu de la bonne pizza maison. Pour 3 $, tu as le choix entre fromage, pepperoni ou deluxe. Les quantités sont limitées, donc premier arrivé, premier servi. Et bonne nouvelle, tu pourras payer avec ta carte débit. La prochaine sortie du Club plein air aura lieu le jeudi 16 février prochain au Parc Le Rocher. Ce sera une initiation au ski de fond et à la raquette. Ça t'intéresse de participer? Alors viens t'inscrire au local des loisirs. Le matériel est prêté gratuitement en collaboration avec la ville de Saint-Amable. Tu n'as qu'à avoir les bons vêtements. Alors fais vite! Ah, la fête de l'amour et de l'amitié! La semaine prochaine, c'est la Saint-Valentin. Et pour l'occasion, on s'habille aux couleurs de l'amour et de l'amitié. Mets du rouge, du rose, du blanc ou encore du mauve et tu te mériteras une petite surprise. Et pour les élèves qui ont envie d'écrire des messages aux gens qui leur sont chers, les cartes seront disponibles gratuitement jusqu'au 13 février. Toujours dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, tu peux aussi passer à la bibliothèque pour découvrir des livres qui mettent en valeur des auteurs, des personnes influentes et des succès des communautés noires du Canada et des États-Unis, entre autres. Tu peux aussi fouiner parmi toutes nos nouveautés. Tu n'as qu'à passer les mardis et mercredis sur l'heure du dîner. L'attaque en action cette semaine, c'est un gros dimanche. Le 12 février, notre équipe de basketball cadet sera en tournoi à la Prairie dès 9h30, alors que l'équipe de futsal cadet est à Saint-Bruno de Montarville à partir de 10h. Et finalement, l'équipe de volleyball cadet féminin est à Sainte-Julie, toujours dimanche, à 9h. Bonne chance à nos athlètes! Et maintenant, voici quelques infos en vrac. Le gymnase est ouvert lundi, mardi et mercredi, dès 12h45. La salle de musculation est ouverte en soirée seulement, mardi, de 15h à 17h15. Et la gang de filles actives cette semaine apporte des vêtements confo, on fait du yoga. Rendez-vous au local 111 pour 15h. Dans les activités midi de la semaine, il y a un ludo-club à la cafétéria et Optimat au local 209 mardi et une rencontre du comité jeune organisateur au local 110, tandis que M. Pelletier t'attend pour des percussions sur chaudière sur la scène, le tout mercredi midi. Merci et bonne semaine!